La famille des 12 coups de midi s'agrandit. Vendredi 17 décembre, Xavier, maître de midi emblématique de l'émission de TF1, a profité de la quotidienne pour venir faire une très belle surprise à son ami, Jean-Luc Reichmann. Avec la complicité de l'actuel maître de midi, Jérôme, l'ex-candidat a fait remettre au présentateur un dessin représentant deux grandes étoiles et une petite avec la mention « La famille des 12 coups de midi s'agrandit ». Non, si est-il pas vrai, s'est exclamé Jean-Luc Reichmann alors que Xavier et sa compagne, Laura, arrivaient sur le plateau de TF1. Un grand sourire aux lèvres, la compagne de Xavier a fait son entrée avec un baby bump bien visible, annonçant ainsi sa grossesse à un Jean-Luc Reichmann surexcité. Je suis tellement heureux. Je suis fier de vous avoir, je suis content, s'est extasié l'animateur avant de jouer les curieux. On sait déjà le sexe? On attend? On ne dit rien? On va le garder pour nous un petit peu. Surprise, surprise, a répondu Laura, la compagne de Xavier, avant de préciser que le bébé était attendu au premier trimestre 2022. Dans la foulée, la production des 12 coups de midi a fait un joli cadeau aux futurs parents, un adorable ours en peluche pour le bébé. Jean-Luc Reichmann et Xavier, une belle histoire d'amitié. Si Xavier a pris la peine de faire une telle surprise à Jean-Luc Reichmann, si est-il que depuis sa participation aux 12 coups, lui et l'animateur sont devenus amis. En juillet 2020, l'acteur de 61 ans avait même assisté au mariage du couple. Très heureux et très fier d'être à tes côtés en ce si beau jour Xavier, avait-il alors confié sur Instagram. Pour rappel, Xavier fait partie des plus grands maîtres de midi de l'émission. Candidat du 5 janvier 2013 au 21 mars 2013, il avait remporté 335 856 euros en 76 participations avant de se retirer pour des raisons professionnelles. Loading DJ.